Dans ce travail donc, qui a été publié dans le New England Journal of Medicine au mois de juillet dernier, l'enjeu était de voir si, en utilisant un nouveau traitement hormonal dans une maladie, une obésité génétique liée à un déficit de la propiomélanocortine, on allait pouvoir induire une perte de poids importante et puis surtout un contrôle de la faim qu'ont ces patients. Puisque en fait, cette maladie, qui est une maladie génétique rare, liée à un déficit d'une hormone qui s'appelle la propiomélanocortine, entraîne chez ces patients, très tôt dans la vie, une obésité extrêmement sévère, associée à des anomalies endocriniennes, comme un déficit en cortisol et aussi des problèmes de pigmentation. En fait, une peau très claire, ce sont des gens qui vont rougir très fortement au soleil. Et donc, comme on connaît bien l'anomalie génétique et le déficit biologique est une anomalie d'une voie qui s'appelle la voie des mélanocortines, qui en fait contrôle la satiété. Donc, quand cette hormone, qui s'appelle la POMC, n'est pas présente, parce qu'il y a une mutation sur le gène de la POMC, les personnes vont avoir une faim intense, extrême, qui va entraîner des envies permanentes en fait, de manger. Donc la conséquence, c'est donc une obésité extrêmement précoce, sévère, si bien que ces patients atteignent des niveaux d'obésité de plus de 150 kg vers l'âge de 20 ans. Et donc, avec une équipe allemande, également une société américaine qui a développé des traitements sur cette voie, nous avons pu traiter deux patients atteints de la même maladie. Et en fait, on remplace l'hormone qui est déficiente, et donc cette hormone qui contrôle la faim. Et on a pu voir un effet identique, absolument identique chez les deux patients. Et donc le remplacement, le traitement par cette hormone va entraîner très vite l'apparition de la sensation de satiété, qu'elles n'ont plus, et petit à petit, une réduction du poids au cours du temps. Donc dans l'article spécifiquement, la première patiente, la patiente allemande, a été traitée pendant 42 semaines et ça a entraîné une perte de poids de 50 kg au bout de 42 semaines. Et donc la patiente française que nous suivons ici à l'ICANN, elle a perdu environ 16 kg en fait les trois premiers mois. Et aujourd'hui, nous avons un recul d'un an et elle a suivi exactement le même trajet en termes de perte de poids que la patiente allemande, avec une perte de poids également de près de 50 kg. Donc un effet extrêmement impressionnant quand même, non seulement sur le contrôle de la faim, avec une réduction de la faim, et puis accompagné d'une réduction du poids, avec un effet extrêmement sensible. C'est le premier traitement dans le monde de ce syndrome qui est lié, en fait, cette maladie génétique qui est liée à un déficit de la propiomélanocortine. Thank you.